Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque tout simplement on sort complètement de l'univers du foot ou de FIFA puisqu'on se retrouve sur PC. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous aimez. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface du jeu, donc ça se présente comme ça. Donc ça indique les touches. Donc WASD pour marcher, mouse to look around, E pour interagir, right click pour zoomer. Clic droit pour zoomer, hop, c'est parti. Donc on se retrouve dans l'espace. Voilà, je suppose qu'il faut avancer vers la boule blanche. Hein. Voilà, donc W, ça avance, donc je suppose que c'est ça. Donc name Jacob, 31 ans, the static speak my name. Je sais pas ce que c'est static, mais parle mon nom, je sais pas. Donc voilà, on se réveille. Donc today will be a better day. Aujourd'hui sera un meilleur jour si je me trompe pas. Et on se réveille à 3h22 du matin. Oh punaise. Jeanne casse les oreilles sur le réveil. Voilà, donc déjà on peut l'éteindre, c'est super. Donc use the bathroom. Donc va aux toilettes en gros, je pense. Va aux toilettes, va à la salle de bain. Donc déjà il y a des tableaux avec des palmiers. Pourquoi des tableaux avec des palmiers dans une maison? Enfin, dans une chambre, je comprends pas le délire. Et en plus, il accroche ça au plafond. Bah oui, comme ça, c'est mieux pour se réveiller le matin. On voit directement l'affiche. Avec un tableau, My Babies. Alors, un tableau avec des crevettes. Ou des langoustines. Je sais pas ce que c'est, hein, mais My Babies, mes bébés. Ah bah tiens, c'est une photo de son aquarium qui est juste là. Donc voilà, on a ses crevettes, super. Par contre, les espèces de maisons à crevettes, là, sont bien étroites, hein, je trouve. Donc voilà, open the door. Donc on arrive dans la salle de bain, donc je pense que c'est ici, the toilette, donc toilette. Voilà, use toilette, utilise des toilettes. Donc on voit déjà, il ferme même pas la porte des toilettes. Il ferme même pas la porte des toilettes pour pisser. Alors que moi, je sais pas, même si je suis tout seul, je ferme automatiquement, quoi. C'est obligatoire, je ferme toujours. Et en plus, il tire pas la chasse d'eau et les toilettes sont comme neufs. Donc, je comprends pas le délire. Il pisse, mais les toilettes sont normales, quoi. Donc, eat breakfast, va manger au petit déjeuner. Et on peut même pas se laver les mains, quoi. Quel crado, quoi. J'y crois pas. Donc, je suppose que là, il va falloir partir par là. C'est peut-être cette porte-là. Donc, là, non, yoyette, on peut pas ouvrir. No yet. Peut-être celle-ci. Oh, encore un tableau. Bah, punaise, y a que ça. Moi, je pense qu'on arrive dans la pièce principale. On va arriver dans la pièce principale. Et il y a des tableaux de palmiers partout. C'est hyper flippant. Mais pourquoi il y a des télés comme ça? Putain, c'est hyper flippant. C'est pas un jeu d'horreur, mais c'est flippant. En plus, c'est assourdissant le bruit. Il y a des clés. Hop, take a keys. On va les prendre. On peut pas ouvrir là. Non, on peut pas ouvrir. Donc on va se diriger vers la pièce principale et c'est bourré de tableaux avec des palmiers. Je comprends pas le délire, mais c'est vraiment. Je pense que c'est là pour manger le déjeuner. Hop, on va ouvrir. Ah d'accord, il a pas fait les courses en plus. Still empty, I guess it's shrimp again. Shrimp. D'accord, donc il a rien à manger. Il faudrait peut-être aller faire les courses quoi. Et par contre, shrimp again, c'est quoi? Jamais, déjà ça a pas l'air d'être par ici. Non, c'est pas par là. Je sais pas, c'est peut-être dans cette pièce-là, là, il n'y a rien. Hop. Oh putain, c'est flippant! Il y a des tableaux de palmiers partout. Et là, putain, avec plusieurs couleurs et tout. C'est hyper flippant. Putain, il y en a même un accroché au plafond à l'envers, quoi. C'est un truc de malade. Et là, c'est quoi ces notes? Faut pas les prendre? Non, c'est pas ça. Probable sitting of painting. But where? Oh, c'est hyper flippant. Bon, je pense qu'on va retourner dans la chambre. C'est peut-être dans la chambre. Je fermais la porte là, c'est pas là. Donc voilà, encore une autre bibliothèque ici. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hop. Alors la porte passe à travers la personne, quoi. Ouais. Bon, c'est normal, c'est des jeux indés, c'est pour ça. Hop, eat shrimp. Ah, shrimp, c'est ça! En fait, ça doit être crevette ou langoustine, ça doit être un des deux. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais. Eat shrimp. Donc en plus, elle a disparu en faisant manger. Donc nourrir un autre shrimp. Hop, voilà, il a disparu. Chat online with friend. Donc va parler en ligne avec tes amis.
Donc je pense que c'est dans la pièce principale où on a vu le PC tout à l'heure. Je pense que si on a vu le PC, on va retourner au niveau du PC avec la télé toujours en train toujours brouillée, les télés brouillées. Voilà, donc Us Computer, ouais, donc voilà, ça doit être ça. Hop. Il lance l'ordinateur. It's somehow doing. Wow, comment tu vas? I am horny. Donc horny, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être une humeur, je pense. Press G to say, donc pour être embarrassé, en gros. Attends, moi, je comprends le premier. J'ai pas trop bien compris le deuxième, donc on va mettre le premier. J'ai pressé G. Donc quand même juste, il est nerveux, non? I'm touching myself. I say to about something horrible. Press H to admire the same reflection to decapitate with shovel. Je sais pas du tout ce que dire. On va presser H, on va faire l'inverse. Hop. I don't know. Je ne sais pas. Peut-être, mais I think about with big. Bon, je comprends rien. Hein. Envoie-moi ton CC information, baby. Je sais pas. Presse E pour te lever. Donc, hop, on va se lever. Il a quand même une photo de sa famille ici, près de son ordinateur. Et avec encore un palmier dessiné, clean the microwave. Alors, je crois que c'est un microwave. Donc on est dans la salle à manger, donc ça doit être par là. Ah bah tiens, c'est pas ça. Clean microwave. Comment on le nettoie? Ah, I need a paper. Du papier, ça doit être ça là. Take a paper towel. Hop. Prends une tranche. Clean microwave. Hop, voilà. On lève le micro. Decide what to do with man in cage. Donc c'est pas. Je sais pas ce que c'est. Tarte. Ok, je sais pas ça. Et c'est quoi cette pièce-là? Hop. Il a des envies de suicide ou quoi ce mec-là? Enfin, vu comment c'est glauque cet appartement, ça m'étonnerait même pas qu'il ait des envies de suicide. En tout cas, bah non, c'est pas ça. C'est pas la corde. Ah! Open the circuit box. Electrocute the man in the cage. Hop. Bon, je sais pas ce qu'on vient de faire, mais. Return to room and let body rest. Retourne dans ta pièce, donc je pense que c'est dans la chambre, on va voir. Bon, bah voilà, c'est une maison assez glauque quand même, hein. Ça fait un peu jeu d'horreur, sans jeu d'horreur. Et l'heure n'a pas bougé, il est toujours 3h22, quoi. On est resté figé dans le temps. Avec la fiche évidemment collée au plafond, donc c'est quoi? C'est peut-être cette pièce-là. Ah! On ouvre une nouvelle pièce, c'est quoi? Oh non! Oh non, il décide de se suicider! Oh non, c'est quoi ce jeu? Oh non! C'est horrible comme fin! J'aurais pas pensé que ça puisse finir comme ça, quoi. Oh, c'est horrible! Il finit par se suicider parce que sa vie, c'est de la merde. Oh, c'est horrible. C'est horrible comme fin. Merde. Bah, ça doit. C'est quoi là maintenant? On retourne dans l'espace? On va aller par là, je sais pas. Peut-être une suite? On va bien voir. Name, Barbie. Ah, ça recommence à zéro avec une autre personne? Non, voilà, c'est la bande-annonce, je pense. La bande-annonce, c'est le générique de fin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à la faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, bye bye. John Harris, excusez-moi, c'est un joueur norvégien qui a une carrière professionnelle durant 15 ans. Il est même également passé par Monaco durant le début des années 2000. Et ce joueur a...